Vas-y, piou-piou, vite. Échappe-toi, je te laisse les portes ouvertes. Échappe-toi, piou-piou. La liberté. Mais laisse mon piou-piou. Vas-y, vite, c'est bien. Regarde, piou-piou, il a bien. Allez, il peut encore faire quelques petits pas en avant, là. Regarde, piou-piou. Attends, j'étais au village, je suis en train de débarquer, attends. Venez voir, monsieur, hein, venez voir. Regardez ce que je vais planter dans le terreau. Ah oui, hein. Les champs. Dans le terreau. Ouais. Allez, je vais planter des graines, regardez bien, monsieur. Oh, putain. Des pastilles. J'ai même pas ça, c'est bon, allez. Non, j'ai... Chema les amis, aujourd'hui une vidéo en partenariat avec Big Farm Story, donc merci beaucoup à eux. Ça tombe bien, j'avais vraiment envie d'y jouer, en plus ça faisait partie de ma wishlist. J'adore ce type de gameplay et si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description et commentaire épinglé. Au début on commence avec un tutoriel qui nous apprend à jouer et aussi qui nous rentre dans l'histoire puisque on est petit et on rencontre notre grand-père qui nous apprend à s'occuper de la ferme. Ensuite, c'est la création de personnages. Vous pouvez changer le personnage en appuyant sur la flèche orange à côté du personnage. Chose que je n'ai pas faite pour une raison vraiment qui m'échappe. Je sais pas pourquoi j'ai pas changé mon perso. Mais du coup, mon personnage, c'est le personnage par défaut. Ne refaites pas la même erreur que moi. Mais bon, j'espère que par la suite, on aura accès à un coiffeur et pourquoi pas avoir des tenues, etc. etc. Retourne ensuite à la ferme, mais cette fois-ci quelques années plus tard. Notre grand-père a disparu, c'est la quête principale et la plus grande intrigue du jeu. Donc notre but ça va être de comprendre ce qui s'est passé, mais aussi de le retrouver. On est également servi par plein de quêtes secondaires pour aider les citoyens, les villageois du coin. Et pour moi la chose la plus importante de ce jeu, et c'est vraiment pour cette raison là que je voulais absolument le jeu, c'est le mode multi, on peut jouer avec ses potes. Et d'ailleurs voici des extraits de mes moments de jeu avec Sayuto. Mon perso il dit quoi? Il dit oh génial, un œuf pour que je le mange et tout, que je le mets la poêle. Il dit ça ton perso. Genre la meuf elle dit non mais non c'est pas pour manger, hein, c'est pour te faire de l'argent. Une petite omelette de temps en temps par-ci par-là, moi je dis pas non. Hein. C'est exactement. Tu te donnes pas autant de mal. Tu te donnes autant de mal et tu peux même pas manger une bonne omelette. Quelle tristesse. C'est ça. On peut s'ajouter, je pense, maintenant. Voilà, invité. Et vas-y, copie, tu me l'envoies. Je vais t'ajouter. Ok. Hop, attends, je mets sur la vidéo, comme ça les gens, si vous regardez cette vidéo, si vous voulez m'ajouter. Eh ben vous avez mon blaze, Kinzel, Diaz, 1. Hein. Pour une fois que personne n'a eu le temps de me copier mon pseudo, et que je suis la number one, ça va. Hein. C'est trop bien ça. Ouais. Mais en vrai, j'ai trop hâte d'avoir des vaches, tu vois, des moutons et tout. Mais d'ailleurs, si tu regardes dans le registre, tu peux voir un petit peu là. Oui, oui, t'as bien vu, mon poussin s'appelle KFC. Ah non, t'as un truc chien, regarde, écureuil nain. Est-ce que t'as reçu une demande d'amis? Attends, je vais vérifier. Ouais. Oui. Alors. Yes. Voilà. Ok, maintenant commence. Je vais essayer de cliquer sur ta maison. Hop, bim. Ah, je me téléporte chez toi. Bonjour. Je vais te téléporter après. Attends, je vais voir si je peux te piquer tes patates. T'imagines. Élément manquant, un humus d'amitié. J'ai pas de humus, mais non, je peux pas te piquer. Vas-y, piou-piou, vite. Échappe-toi, je te laisse les portes ouvertes. Échappe-toi, piou-piou. La liberté. Mais laisse mon piou-piou. Vas-y, vite, c'est bien. Regarde, piou-piou, il a bien. Allez, il peut encore faire quelques petits pas en avant, là. Regarde, piou-piou. Attends, j'étais au village, je suis en train de débarquer, attends. Piou-piou, vite. La porte. Dépêche-toi. Ah bah voilà, regarde. Piou-piou. Il est presque sorti, non, piou-piou. Non, pas... Non, piou-piou, vite. Voilà, c'est piou-piou. Oh, le pauvre, il est traumatisé.
Il fait un coma éthylique. Il est en train de baver partout. Attends, on va aller voir ta maison. Fait... Ah, je rentre chez toi, hein. Je squatte littéralement ta maison. Hein. C'est vide, hein, tu vas voir. Hein. Ouais, je vois ça, je vois ça. Là, c'est... Et moi, j'ai mon temps qui s'est mis en pause, du coup, quand je suis chez toi. Ah, je suis chez toi, là? Oh, ouais. Yes. Oh, c'est rapide. Regarde, va voir ma maison, tu vas voir, j'ai un petit peu plus meublé que toi, quand même. Mais tu les trouves où, les meubles? Parce que, genre, je sais pas où on les trouve. Je pense qu'il faut les acheter en ville. Ouais. Mais moi, ça vient du DLC asiatique. Putain, mais ça... Oh, mais c'est trop beau, mais j'adore. Ah oui, je peux changer les papiers peints et le sol encore. Attends, est-ce qu'il y a peut-être un papier peint asiatique, peut-être, non? Bah, il y a ça. Et... Wow. Et il y a ça. Parce qu'en fait, je pense que ça fait assez asiatique. Mais je vais te montrer, regarde. Attends, je vais essayer de le mettre là. En fait, il y a un truc, c'est un peu compliqué à le mettre. Attends, je l'ai mis où? Ah, j'ai pas pu le mettre là. Voilà, regarde. Hop. Oh, tu vois, dojo. Une porte de dojo. Ouais, c'est ça. Mais c'est assez difficile à caler, quoi, pour que ça rentre bien. Bon, là, ça va, à la limite, encore, mais... Et je me demande si on peut... Tu vois, on va pouvoir... Vas-y. Nya, Ichini, San. Ouais, on va faire des TikTok ici. Mais là, regarde, il y a des portes. Il y a des portes à droite, à gauche, donc je pense qu'on peut grave agrandir la maison. Pour l'instant, c'est pas encore accessible. Ça a l'air plutôt pas mal. Il y a une cuisine, je pense, un truc comme ça. Ouais, cuisine, salon, tout ça, chambre peut-être séparée après. Ça pourrait être. Tu vas pouvoir faire de bons toasts. Ah oui, j'ai reçu un jeton aussi pour débloquer. T'en as combien? Ah oui, toi, je crois que t'en avais deux aussi, des parcelles. Ouais, j'en ai deux et j'ai pas encore atteint la troisième. Moi, je l'ai acheté, j'avais un jeton de fabrication dans les récompenses. Et genre. Mais c'est. Mais what the fuck, attends, ça peut jusqu'à moi des parcelles. En deux secondes, tu vas des parcelles. Ouais, t'inquiète. Bon, moi, je suis une femme de ferme, ça fait toute ma vie que je fais ça, d'accord? Alors attends, moi, je peux me vanter sur une chose que t'as pas encore, viens voir. Attends, juste un instant, je vais te montrer aussi un truc. Allez, je vais prendre ça. Oh là là, ça coûte cher. Est-ce que j'ai assez de sous? Oui, j'ai assez de sous. Je suis une fine femme d'affaires. Venez voir, messieurs, venez voir, regardez ce que je vais me planter dans le terreau. Ah oui, les champs, dans le terreau. Ah, je vais planter des graines, regardez bien, monsieur. Oh, putain. Des pastilles. J'ai même pas ça, c'est bon, allez. Non, tu peux acheter, je crois que c'est chez le maire, contre des jetons verts. Sorte de jeton d'agriculture, tu peux débloquer des trucs et t'avais le choix. Et moi, j'ai hésité entre la pastèque et la fraise. Et je me suis dit, bon, la pastèque d'abord. Je peux faire quelque chose? Élément manquant. Humus, humus d'amitié. Ouais, faudrait voir comment on les reçoit, les humus d'amitié. Peut-être en passant du temps, je sais pas. Tout le tout tout. Oh, regarde un biberon. Oh. Tenez mon petit. Oh. Bon, il a grandi direct, lui. Il a pas le time. Il a bu 4 litres de lait, il a grandi. De nos jours, la vie est dure. Quand on est une petite patate, qu'on soit mûr ou pas mûr, il faut bien se tenir sur ses pattes. Alors, mon petit gars, si t'es une petite patate comme moi, écoute bien ces paroles. Si tu ne veux pas finir à la casserole, moi je me débrouille comme je peux. Le tout c'est d'éviter la chaussée. Parce qu'une voiture a des pneus. Et fit-on donc de se faire écraser. Ça te fait aussi les petites étoiles sur tes patates? Ou y'a que moi qui les vois? Ouais, j'ai des petites étoiles. Ah, t'as vu, c'est devenu des stars tes patates. Elles vont bientôt faire le concert de Bercy. Elles vont remplir la salle de Bercy. Elles vont faire un concert et tout. Let's go. Ça fait maintenant quelques jours que je joue au jeu. J'ai vraiment quand même pas mal d'heures de jeu. Et je voulais un petit peu vous montrer l'avancée avant que vous partiez. Et puis pour ceux qui m'ajouteront en ami, vous pourrez venir visiter ma ferme encore plus tard. Et voilà, en gros maintenant j'ai à droite la cuisine. Là j'essaye de débloquer les grosses pièces en fer que je n'ai pas encore. J'ai les petites pièces mais pas les grosses. Parce que j'ai acheté le four mais je ne peux pas encore le mettre. Ici, j'ai un petit peu à rajouter des petites décorations par-ci, par-là, mais au niveau déco, on n'y est pas encore.
Là, d'ailleurs, je vais rajouter, hein, je vais récupérer mes petits cornichons. Ici, j'ai mon petit établi, donc quand on débloque cette pièce, on a accès à cet établi et franchement, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec pour avancer dans l'histoire. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu ma ferme. Donc là, déjà, on va récupérer la petite quête quotidienne. Oh, elle veut un concombre. Ok, regardez, alors ça, c'est mes cultures. Voilà, je m'en occupe. Bon, j'ai encore quelques petites cultures à débloquer, mais franchement, j'ai pu quand même bien avancer. Ici, j'ai mes deux petites poules. Et regardez, je vais vous montrer les animaux qu'on peut avoir. Donc moi, j'ai une poule brune et une poule blanche. Désolée, je ne suis pas agricultrice, je ne connais pas les noms des spécimens. Mais voilà, en fait, on a les poules. Donc, elle est trop mignonne. On peut aussi avoir les oies. Donc moi, je ne les ai pas encore débloquées. Des petits lapins angora. Ils sont trop mignons. Regardez comment ils sont mimes. Moi, j'ai trop hâte de débloquer ces petits lapins. Par contre, je me demande c'est quoi comme ressource que ces petits lapins y donnent. Parce que les poules et les oies, ça donne des œufs. Mais alors, les petits lapins, pour ceux qui... Peut-être qu'ils ont des lapins, vous savez peut-être bien. Moi, en tout cas, je ne sais pas. Mais j'ai trop hâte de débloquer ces petits lapins angora. J'ai pas encore assez avancé dans le game pour ça. Et là, j'ai mon petit moulin. Donc ça, c'est le DLC asiatique qui me permet d'avoir ça. Mais sinon, en temps normal... Hop, il ressemble à ça, le moulin. Et moi, c'est bon, je vais laisser un petit peu le moulin comme ça. Ici, j'ai deux petits pommiers. Et là, regardez, j'ai une vache et un mouton, les amis. Et je vais vous montrer parce qu'on peut avoir encore quelque chose de ultra cool. Regardez, hein. On a les vaches, on a les moutons. Et regardez, on a les alpagas. Je veux trop en avoir un. Regardez cette tête. Oh là, je sais pas définir s'il est content ou énervé. Et voilà, on peut débloquer les alpagas et hop, je ramasse en même temps. Je peux pas m'en empêcher, je suis désolée quand je vois des trucs par terre, je suis obligée de les ramasser. Mais voilà, je vous montre un petit peu. Franchement, regardez-moi ces décors. Là, je suis encore en train de débloquer la montagne. Tiens, on va peut-être débloquer ça ensemble. Tant qu'à faire. Alors, au niveau de la quête, je crois que c'est la seule quête qui me manquait, c'était celle-là. Pour pouvoir débloquer la montagne. Donc je pourrais peut-être vous montrer la montagne en même temps. Mais regardez ces décors. Et moi ce que je kiffe c'est le soir quand je rentre à ma ferme. Eh bien les moutons, la vache ils sont collés pour dormir ensemble. Et les deux petites poules elles sont l'une à côté de l'autre en train de dormir. C'est trop mims. Allez je vais débloquer. J'espère bien. Enfin je voulais dire c'est pas important. Je vous remercie. C'est agréable non, le fait d'être autosuffisant. Absolument, moi j'aimerais bien dans la vraie vie avoir un petit potager tout ça et des petites poules. Bon ce sera pas pour tout de suite, peut-être pour plus tard, je garde l'espoir encore. Et donc là il nous reste plus que la quête avec Nathan pour débloquer la montagne. Je voudrais finir cette vidéo sur ça, mais regardez-moi ces décors. Oh, c'est trop, j'adore. J'adore. Hop là, ce sera bien plus tard si il y a assez de monde. On pourrait faire, je pourrais faire une vidéo où je visite vos fermes. Et comme ça, bah, je pourrais visiter un petit peu, parce que c'est vrai que moi, j'ai pas encore assez d'argent pour m'amuser à décorer ma maison. En fait, je privilégie plus le côté débloquer un maximum tout ce qui est établi, etc. Oh, regardez. Voilà, donc en gros, c'est une quête où j'ai tout préparé, les lanternes, tout ça, pour pouvoir explorer. Et je vais explorer, si possible, cette montagne. Tout est paré, excellent. Attendons que les autres arrivent. Allez, c'est parti. Comme ça, on finira sur une belle image d'exploration. Bien, tous les participants à l'expédition sont prêts. Moi, je suis prête. Et comment? Il est temps de nous mettre en route. Aussi près que possible. Oh que oui, c'est parti. Je suis prêt. J'ai l'impression d'être en maternelle. On peut enfin y aller, oui. Excellent, faites attention à vous là-dedans. Ne jouez pas au héros. Revenez sain et sauf. Amusez-vous bien. Yes. Allez. J'ai trop hâte de découvrir la montagne. J'y suis jamais allée, c'est la première fois. Oh, il fait tellement noir ici. Heureusement qu'on a des des lanternes. Aïe, mon pied. Où sont les lampes? Ouh là là, c'était un poisson, ça? Pas de panique. Voilà de la lumière. Hein? Mais qu'est-ce que... Attendez, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas pris nos affaires? Vous êtes déjà de retour, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'allez jamais le croire. Quoi donc? Il y a un ascenseur là-bas. Quoi? Il a l'air de fonctionner. Où est-ce qu'il mène? Tout droit dans les montagnes apparemment. Bon, alors on a fait tout ça pour rien. Eh bien nous avons appris pas mal de choses tout de même, non? Ouais, on a appris que vérifier l'état de la grotte en premier lieu aurait été utile. Alors, on peut lui dire tout ce travail pour rien, au moins nous arrivons plus vite dans les montagnes. Allez, on va être optimiste.
Kazal a raison, nous pensions que traverser la grotte serait le plus difficile, nous avons eu de la chance, mais il faut encore mener les recherches dans les montagnes, c'est là que serviront les préparatifs. Nous devrions nous estimer heureux de ne pas devoir explorer la grotte dangereuse. Eh bien, je pense que tout le monde peut rentrer chez soi et attendre de vos nouvelles. J'espère que tu trouveras vite ton grand-père, Kazal. Nous resterons avec toi jusqu'à ce que l'on trouve ton grand-père. Dis-nous quand on se met en route. Exact, en route pour les montagnes, Kazal. Nous vous suivons. Nathan, vous ne pouvez pas ignorer mon « je vous l'avais bien dit ». Les montagnes. Techniquement, j'ai dû les débloquer. Et on passe niveau 37. Je vais prendre un petit jeton de construction. J'aime bien prendre les petits jetons de construction. Pour débloquer un maximum. Est-ce que je peux y aller maintenant? Je peux y aller apparemment dans la montagne. On va voir ce que ça donne. Oh mon dieu, mais regardez comment c'est trop beau. Oh, et il y a la montgolfière. Oh là là, et regardez, il y a des petits alpagas ou des moutons, je ne sais pas trop. Un alpaga blanc. Mais waouh. Et du coup, il y a des nouvelles choses, par exemple ces champignons d'hiver que je n'ai pas normalement. Bah attends, c'est une grotte, c'est quoi? Ah non, c'est un ascenseur, je pense, pour monter tout en haut de la montagne directement. Oh là 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 là, regardez. Oh, regardez comment c'est beau. Bon, je vais pas avancer plus loin dans l'histoire avec vous, je voulais juste vous montrer un petit peu vraiment les cinématiques, l'histoire et la beauté des décors du jeu, parce que c'est vraiment beau. Avec une petite musique qui donne une petite ambiance. Il y a de la neige et tout. Oh là là, c'est vraiment beau. Oh oui, c'est des petits alpagas. Bonjour. Oh, regardez, un petit... Oh là là, viens chez moi. Viens, je te ramène à la maison. Là, il y a des petits poissons. Attends. Attends, je rêve. Mais là-haut, il y a des arbres. Ça veut dire que l'on pourra cultiver également dans la montagne. Peut-être un certain type d'arbre qu'on ne peut pas avoir chez nous car l'altitude et peut-être la température ne le permettent pas. En tout cas, voilà, je voulais faire une petite partie d'histoire avec vous pour vous montrer tout ça. J'espère que le jeu, il vous plaît. Et encore une fois, si vous le souhaitez, le lien est dans la description. Et si vous faites partie des gens qui regardent cette vidéo pas longtemps après sa sortie, j'en profite également pour vous dire que le jeu est actuellement en promo à moins 25% et le DLC sur le thème de l'Asie est à moins 50%. Donc voilà, n'hésitez pas, profitez-en. Et moi je vous fais de très gros bisous, moi je continue mon aventure parce que bon j'ai envie de découvrir ce qui s'est passé avec mon grand-père. Allez, des bisous à vous et à très bientôt, gros bisous à vous, merci d'avoir regardé, ciao ciao.